Donc, je vous appelle comme une série d'exercices sur la conductibilité électrique. Partie liée à l'exercice exercice, donc faire juste une formule à retenir. Bien sûr, je vais vous faire des travaux pratiques. Je vais vous faire une série. Donc, je vais vous faire une série donc la série chem la partie hedi. Mais quand vous avez des questions ou la stratégie, vous avez des choses autres, vous bien sûr d'art minasa. Voilà. Donc, nous avons l'exercice l'ouléni. La résistance d'un fil de cuivre de 0,2 mm de diamètre, c'est-à-dire diamètre interne c'est 0,2 mm, et 100 mètres de longueur. Longueur interne c'est 100 mètres et 35,8. Voilà. Donc, l'année choisir la bonne réponse. La résistance d'une longueur de 10 mètres de ce fil est-elle 3,58 ohms ou bien 358 ohms? Voilà, la réponse est 3,58 ohms. Allez, donc, l'année, je te vois ça. Tout simplement, la longueur est 100 mètres à battre 10 mètres. C'est-à-dire, l'année, je sais, la longueur est. Donc, longueur yonks, bien sûr, la résistance bustonks. Ok? Nous savons que, voilà, donc, longueur yonks, bien sûr, la résistance bustonks. Alors, l'année, la liaison entre la résistance ou la longueur. Donc, nous savons que la conductibilité proportionnelle à S sur L. Donc, conductibilité, vous voyez, comme fait le. Résumé l'année, donc conductibilité est proportionnelle à S sur L. Or, la résistance donc est 1 sur la conductibilité, c'est-à-dire la résistance est donc proportionnelle, donc je vais marquer proportionnelle à L sur S. C'est-à-dire, si L augmente, la résistance augmente. Si L diminue, bien sûr, la résistance diminue. À condition, bien sûr, l'année à S égale à constante. L'année S met de qui m'a servi le cas interne. Donc l'année, je dis que l'année, même diamètre, ou elle est pas de loin longueur. Donc il est quelle longueur non 100 mètres le 10 mètres, c'est-à-dire la résistance. Donc la valeur elle est 35,8, il y a 3,58 ohms. Voilà. Donc la question finie, la résistance d'un fil de cuivre de diamètre 0,4 mètres et de 100 mètres de longueur est-elle l'énergie non ça. L'année, bien sûr, le diamètre Z, ou la longueur prahobit. Donc, est-ce que 17,9, 8,95 ou bien l'année 71,6 ohms? Bien sûr, je n'ai pas la réponse. C'est l'année, on a la résistance, donc 35,8 ohms. Donc, l'année, donc, la résistance est proportionnelle à L sur S, c'est-à-dire l'année R égale alpha L sur S. Bien sûr, on a la résistance d'un même fil de cuivre. Donc, on dit R1 égale alpha, elle est pas de l'année S. Donc, L sur S1 et R2 égale alpha L sur S2. Okay? Or, quoi est égal S? S est pi R carré ou bien pi d carré sur 4. Mais R est d sur 2. Donc R carré, donc d carré sur 2 au carré. Donc là, je vais vous donner. Je vais vous donner R1 égale alpha L sur pi d carré donc sur 4 qui est égal à 4 alpha L sur pi d carré et R2 donc égal à 4 alpha L sur pi. L'année, ça c'est d1. Ça, c'est D2 au carré. Voilà. Donc, bien sûr, on a même L ou même alpha. Le chat a dit même fil. Neuf nature, donc l'alpha, il est bien. Okay? Donc, l'année, je n'en plus j'ai dit. Le but, c'est de déterminer l'année R2. Okay? Donc, on a bien sûr L, on a D1, on a R1, on a R2. Okay? Donc, l'année, on va calculer l'R2 à quoi est égal. Juste application numérique, donc R2 égale. L'année, je vais dire l'alpha, puisque je ne sais pas l'alpha, je vais dire l'R1. Donc, je vais dire l'année, alpha égale pi R1 D1 au carré sur 4L. On dit l'autre l'année, je vais dire l'année. Donc, je vais dire 4 fois alpha, c'est-à-dire pi R1
d1 au carré sur 4l, ça c'est alpha, fois l sur pi d2 au carré. Donc l'année, je vais faire quelques simplifications. Je peux simplifier par l, je peux simplifier par 4, je peux simplifier par pi, voilà. Donc l'année, je vais faire égal d1 au carré sur d2 au carré fois r1, ok? Voilà, donc juste l'année, je vais faire l'application numérique, donc r2 égale d1 au carré, d1 sur d2 au carré, fois r1, donc égale d1 sur d2, c'est-à-dire l'année d1 lié 0,2 sur 0,4, donc au carré, fois r1. Donc l'année, je tombe starting, donc on trouve 0,25 fois donc 35,8 qui est égal 8,85 ohms. Voilà, donc il y a la réponse C. Il y a la réponse C. Voilà. Donc, l'aluminium est moins bon conducteur que le cuivre. La résistance de 50 mètres de ce fil d'aluminium de diamètre 0,4 mm est-elle de 4,5 ohms ou de 7,36 ohms? Voilà. Donc, l'aluminium. نختار بيان سور ريبونس لا بون ريبونس لهنا يحب يلوج على الريزيستونس دو 50 متر دو سو فيل دالومنيوم دو ديامتر 0.4 مليمتر باهي احنا هو قال لي هو موان بون كوندكتور كو لو كويفر دونك اول حاجه نعملها شنو اون فا شيرشي لا ريزيستونس d'un fil de cuivre de 50 mètres donc 50 mètres de longueur et 0,4 mm de diamètre. Hedi ou l'haj. بعديك دونك باش نجور قالوا الفالور اللي لقيناها بيان سور بلي سي دو فالور اوكي دونك فوالا دونك لهنا اون فا كالكولي اون فا ديتيرميني لا ريزيستونس دو 50 متر دو فيل دو كويفر دو ديامتر 0.4 مليمتر سي دادير لهنا عندي انا حسبت لا ريزيستونس دو 0.4 مليمتر 100 متر لقيناها 8.95 دونك اذا كان لهنا اللونغور نقصت mais 100 les 50. Donc, on a la longueur torse, bien sûr, la résistance, plus torse. Donc, l'année, la résistance, bien sûr, on a dit les 8,95. Là, on a 12 à 8,95. Donc, l'année, on va chercher la résistance de 50 mètres de 50 mètres de longueur et de 0,4 mm de diamètre. Donc, qui m'amène à l'exemple de l'équivalent. Donc, je n'ai rien à faire l'année. On a, donc, R. L'air, donc, qui fait type donc, en fonction de diamètre, donc elle est alpha L, donc sur pi d au carré sur 4, donc est égal 4 alpha L sur pi d au carré. Et dit Oulhaj. Donc, l'hne, je n'ai pas de l'air. Ça, c'est l'air de 0,4 mm et 100 mètres. Je vais l'ajouter à l'air de 50 mètres de longueur et 0,4 mm de diamètre. Donc, l'année, je vais s'amener R1 égale à alpha L. Donc, l'année, c'est longueur. Donc, L1 sur pi d au carré, donc 4, voilà l'année. Et R2 égale à 4 alpha L2. Sur pi d au carré. Donc on va chercher R2. Donc on va déterminer alpha. Alpha égale à pi d au carré R1 sur donc pi d au carré R1 sur 4 L1. Voilà, j'ai la route à l'aîné. Donc je n'obstartine 4 fois pi d au carré R1 sur 4 L1. L'aîné a dit L2. Voilà, donc sur pi d au carré. Radrante 9 diamètres. Donc, on peut simplifier par pi, on peut simplifier par d au carré, on peut simplifier par 4. Donc, je vais parler R2, donc égale L2 sur L1 fois R1. Donc, L2 qui est 50, bien sûr, sur L1 sur 100 fois R1, il y a 8,95. Donc, l'année égale donc l'année 50 sur 100, c'est-à-dire 1/2, c'est-à-dire l'année 8,95 sur 2. Donc égale 4,475 ohms. Voilà. Donc l'année, la résistance, l'aluminium est moins bon conducteur que le cuivre.
دونك لهنا باش يحب يطلع الريزيستونس دو 50 متر دو سو فيل. دونك شنو باش تقول لهنا؟ بيان سور احنا طلعنا انه لا ريزيستونس دان فيل دو كويف دو كويفر فوالا دو 50 متر دو لونغور اي 0.4 ملم دو ديامتر هي 4,475 اوم. دونك لهنا معناها اسكو لا ريزيستونس نتاعو اكبر ولا اصغر؟ est moins bon conducteur que le cuivre, c'est-à-dire la conductibilité mtéro akbar, donc la résistance mtéro pshtkoun akal. Donc, ahna lehna la résistance pshtkoun akal, mais 4, voilà, pardon, la résistance pshtkoun akbar, la conductibilité mtéro, et l'aluminium est moins bon conducteur que le cuivre, c'est-à-dire la conductibilité mta l'aluminium akbar, la conductibilité du cuivre akbar, la conductibilité de l'aluminium, c'est-à-dire la résistance du cuivre de l'aluminium plus qu'une akbar mais la résistance du cuivre. Voilà. Donc là, on a besoin de la valeur, elle est akbar 4,475 et 7,36 ohms. Voilà. Donc là, on a allez, à la khatr, bima enno l'aluminium. Est moins bon conducteur. Que le cuivre, donc l'henné, sa résistance supérieure à celle du cuivre. Conductibilité azrar, mais la résistance voilà. Adal l'exercice 2, on considère deux fils de cuivre F1 et F2 de même longueur. L'un des deux fils a une section double à l'autre. واحد فيهم عنده سيكسيون نتاعو دوبل دو لوتر. On assimile ces deux fils à deux conducteurs ohmiques. Donc, la résistance de FA et RA égale à 4 ohms, la résistance de F2 et R2 inconnue. On donne la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est donnée par U égale à RI. Calculer l'intensité du courant IA qui traverse F1 lorsqu'on applique à ces bornes une tension U égale à 12 volts. Voilà, a-t-il R1, a-t-il U? On va déterminer donc I, on applique la loi d'Ohm, donc U égale à RI, voilà. Donc, l'aîné, ce qui donne I égale U sur R. Donc, tout simplement, c'est 12 sur 4. Donc, on trouve 3 ampères. OK? Voilà. Donc, ça, c'est IA. Calculer l'énergie thermique produite par ce fil F1 en une minute. Exprimer la valeur en joules puis en watts-heure. Donc, tout simplement, l'aîné, l'énergie interne thermique égale, donc, c'est U fois I, donc, qui est égal à R. I1 fois I1, bien sûr R1, voilà, donc égale R1 fois I1 au carré. Donc R1, donc c'est 4 ohms fois I1, donc au carré, c'est-à-dire fois delta T. Mais la souche est delta T, ok? Donc, fois R1 au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Gali pendant l'année, delta T, donc 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes, voilà. Donc, on trouve 2160 joules. Je vais mettre le watt-heure, donc on trouve 0,6 watt-heure, ok? Voilà. Donc, l'année, on établit aux bornes de F2 la même tension U égale à 12 volts. On obtient un courant électrique d'intensité I2 plus petite que I1. Comparer la conductibilité électrique de ces deux fils. Donc, l'année, je n'en vois ça. Bien sûr, atteint la même tension, mais l'intensité est plus petite. Donc, on va calculer la résistance, on va calculer la conductibilité. Donc, la résistance نحن نعرف انه U égale R fois I, c'est-à-dire لهنا la résistance R égale U, voilà, donc sur I. Ben, عندي أنا ميم U. Donc لهنا عندنا احنا R1 égale U1 sur I1, وعندي R2 égale U2 sur I2. Ben, هو عطاني معلومة انه قال لي عندي لا ميم U, c'est-à-dire لهنا U1 égale U2 égale U. نجم نجي نعوض غاديك, donc R1 égale U sur I1 et R2 égale U sur I2. Atani ma'louma okhra gali rahou lehna l'intensité, on obtient un courant électrique d'intensité I2 plus petite que I1. Gali rahil I2 plus petite que I1, asghar min I1. C'est-à-dire lehna
الريزيستونس R1 و R2 كيفاش باش يكون؟ إذا كان الـ E2 أكبر من أصغر باردون من الـ E1، دونك سيتادير الـ E1 أكبر من الـ E2، دونك الـ R1 و الـ R2 كيفاش باش يكونوا لهنا؟ دونك لهنا الـ R2 باش تكون أكبر، هكا ولا؟ فوالا، دونك أنا لهنا من بما أنه الـ E2 بما أنه الـ E1 أكبر من الـ E2، دونك الـ R2 باش تكون بيان سور اكبر من الار 1. دونك اذا كان الار 2 اكبر من الار 1 معناتها الكونجكتيبيليتي دو اف 2 اي بلو بتيت كو سيل دو اف 1، معناتها الانفيرس. اوكي دونك لهنا اي كوم ار 2 سوبيريور ا ار 1 اي دونك ار دونك لهنا انفيرسمون بروبورسيونيل ار هي انفيرسمون بروبورسيونيل ا 1 سور جي، معناتها الار بروبورسيونيل ا 1 سور جي، سيتادير اذا كان الار تكبر الجي تنقص. دونك لهنا سيتادير لا كوندكتيبيليتي، نجم نكتب لكم بكولور واحد اخر، دونك لا كوندكتيبيليتي لا كوندكتيبيليتي دو اف 2 est plus petite que celle de F1. Voilà. Ok. Donc, la question les barres, comparer les sections de ces deux fils, justifier la comparaison. Donc, la conductibilité, bien sûr, elle est proportionnelle à la section. Comme la conductibilité est proportionnelle à la section. Donc, là, il est quelle conductibilité est plus? Bien sûr, section, là, où la conductibilité est proportionnelle à la section, donc, la conductibilité de F2 est plus petite que celle de F1, c'est-à-dire la section de F2 est plus petite que celle de S1, S2, puisqu'on bien sûr assortiment S1, tout simplement. Déduire la valeur de la résistance R2 du fil F2 et l'intensité du courant I2 qui le traverse. Tout simplement, on a R2 sur R1, donc ça c'est L sur S2 sur L sur S1. Al-Khatra dit alpha l'année alpha, on va simplifier par alpha et on a simplifié par L. Al-Khatra a la même longueur, donc l'année je suis en S1 sur S2, donc ce qui donne l'année R2 égale à S1 sur S2 fois R1, or on a les sections doubles, c'est-à-dire S1 égale à 2 fois S2. Mais maintenant, nous avons le S2 plus grand que le S1. Donc, nous avons le S1 égale à 2 fois S2. Donc, nous avons le S2 plus grand que le S1. 2S2 sur S2 fois R1, donc égale à 2 fois R1, tout simplement. Nous avons le R1, c'est 4 ohms, donc R2 égale à 2 fois 4, on trouve 8 ohms. Et celle de I2, tout simplement, I2 égale à U sur R2, donc égale à 12 sur 8, qui est égal à 1,5 ampères. Voilà. Une série à la conductibilité électrique. Nous avons toutes les informations sur la conductibilité électrique. Nous avons parlé de la partie qui est utilisée dans le TP, dans les travaux pratiques. Donc, je me dis comme le devoir de travaux pratiques. Je me dis comme un exercice les séries comme les devoirs de contrôle numéro 1, bien sûr, fait partie des pôles récepteurs passifs. Nous avons comme un exercice. Nous avons tout à l'heure. Et d'art les ministres.